Ah, c'est parti, les frères! Oh, bien! Vous revoilà, je suis ravie. Ah! Voyons ça, alors. Du coup, là, on avait sommé Eva, Emma. On l'avait sauvé, on l'avait réussi. Le QTE, là. La force. Club Pro, c'est demain, je tiens à rappeler. La force peut être surprenante. La conscience de notre puissance. Puisons en nous. Une on avait trouvé toutes les cartes récentes. Nous l'existence. Je suppose que des forces mystérieuses nous habitent tous. Ouais, la mamie et ce qu'elles parlé. Nous donnent d'une main, elles peuvent tout aussi bien le reprendre de l'autre. Comme mais fait peur de zinzin. Visible. Et comme toujours, le choix vous appartient. Voudriez-vous peut-être en voir plus? Quel début, on comprend rien, mais de fou. Comme d'hab, les frères, on fait voir plus. On va voir ce qui va se passer. Nick, il a tué le chasseur! Non! À nouveau, nous nous disons au revoir. Faut pas qu'il tue, hein! Un dernier conseil. N'oubliez pas qui sont vos alliés. N'oubliez pas qui veille sur vous. Ah la D, faut pas le tuer alors. Si, faut tuer Nick. Nick, faut le tuer. Les frères, on va fumer Nick. Nick, on va le fumer. Comme ça, il va pas fumer. Parce que Nick, déjà, c'est payant le jeu, oui. En fait, Nick, déjà, il est déjà mordu au cou. Il est déjà mordu, c'est mort pour lui, d'ailleurs, c'est KO. Le chasseur, s'il meurt là, par contre, c'est chaud pour nous. Ah oui, je vais éteindre cette lumière. Voilà, comme ça, on est plus dans le thème. Oui, il y a une rediffusion sur YouTube, sur la chaîne Rediff. Coucou. J'ai rien pu trouver à manger. La cuisine est complètement vide. Oh zut, j'ai oublié mon sac. Je t'ai pris ça. C'était... Merde, je sais même pas ce qui s'est passé. Eh, je vais tellement le fumer, hein. Comment tu te sens? Empathique, reconnaissant. Je vais bien. En vrai, il va bien, non? Non, non, empathique. Tu tiens le coup, ça va? Je suis surtout contente que t'ailles bien. Tu vas bien? Désolée, je te l'ai déjà demandé. C'est rien. Mais frère, là, faut que... Attends, comment elle s'appelle déjà, elle, là? J'ai oublié comment elle s'appelle. Ok, je crois qu'ils sont partis chercher une radio. Et c'est quoi ce... Ils en ont trouvé un autre dans le bureau de Monsieur H. Abby. Il s'est passé quoi avec les lampes? Abby, faut qu'elle tombe plus amoureuse de l'autre, là. Ça va mieux? Je vais bien. Je crois. Attends, ils vont au local radio? La ligne c'est est coupée, grave réaliste, je crois qu'ils vont essayer d'envoyer un SOS. En attendant, on reste là. Ah mais pour l'instant, personne n'est mort, hein. Parlez. Non, je crois que c'est moi, on parle pas. Personne parle. Je croyais que Dylan et Ryan étaient déjà sortis. Restez là, je vais voir. Prudente, ça ira, mais fais attention. Est-ce qu'elle va voir c'est qui? T'as oublié Max. Ah oui, c'est vrai, merde, t'as oublié. En vrai, on peut être prudent, non? Genre, non, elle y va. Elle y va pas, en vrai. Je me dis... Prudent, ouais, prudent. On sait jamais, on sait pas c'est qui, frère. Dehors. C'est peut-être dangereux. Ouais, c'est pour ça que je vais aller voir. Mais je viens de te dire non. C'est parti, putain. Ok. Ouais, elle est trop bête. Mais en vrai, elle a un bon shoot. Oh non, j'ai les deux mains sur la manette. Hein. Il se passe un bail. Hein. Bon. Vous entendez bien le son du jeu ou c'est trop bas ou c'est trop fort ou c'est bon?
est bas. Vas-y, attendez, j'augmente. C'est bon, j'ai mis au max. Ouais, je crois que je vais devoir tirer. Si elle a rechargé, je vais devoir tirer, frère. Ah, c'est lui! Non, c'est bon, c'est un gentil! Juste s'il nous voit, c'est relou. Putain, j'ai failli louper. Ouais, John Cena, il est en pétard là. En fait, eux, faut pas que je leur fasse de mal, sinon jamais on pourra s'en sortir. Okay. Merci Rémi pour le prime. Quand tu les trouveras, saigne-les. Et tiens-moi informé, Bobby. Il a un fusil, hein. Ouais. On est là pour éteindre. Ok, là, je retiens mon souffle. Eh, hey, je dois lâcher quand? J'ai réussi? Non, arrêtez, y'avait plus les barres rouges. Ah, les barres sur le côté. Merde. J'ai raté là. Merde. Mais c'est un gentil, c'est bon, wesh. Ah, en fait, j'ai cru que c'était quand l'image, écoute, y'avait une petite... Y'avait du rouge sur l'écran. C'est pas le moment idéal, je sais, mais... Quoi? Ben, c'est juste que, tu sais, je pensais au début de l'été, quand on s'est rencontrés, au début de la colo. Mais maintenant que l'été est fini, je me demande si c'est la dernière fois qu'on se verra. Désolé, Nick, qu'est-ce que tu disais? Mais est-ce que c'est le moment de gérer, là? Fébrile. Je suis en train de me mettre à nu. En fait, faut que lui, il dégoûte Abby. Comme ça, Abby, elle va le fumer. C'est quel chapitre? Chapitre 5? Hé, hey, je suis en train de me mettre à nu, là. Nick, je suis désolée. On peut parler de ça plus tard. Je flippe complètement, là. C'est pas le bon moment. Voilà, c'est ça. Je pensais que ça irait plus loin. Je n'arrive pas à te cerner. Vas-y, on va mettre intrigué. Hein. J'ai peut-être mal compris les signaux tout à l'heure, mais... J'ai eu l'impression qu'il allait se passer un truc. Et tu voulais qu'il se passe un truc entre nous? T'es conne ou quoi? Hé! On a la même réaction! Ce que je veux dire... Bien sûr que je voulais, mais je savais pas si toi aussi... Wesh! C'est un fou! J'ai l'impression que c'était il y a une éternité... Oh non, c'est un fou! Tu voulais qu'il se passe un truc? Tu peux me le dire? Eh, ouais, on va le fumer. Comment il parle comme ça à Abby, poteau? On va le fumer, bro! Tu dis ça parce que je suis blessé. Direct! Nick! Mais qu'est-ce qui se passe avec Kathleen? Faut qu'on se cache! C'est bon, ça va aller. Eh, Abby, laisse-le! Non mais lui, il marche comme un boss final. Depuis qu'on... Oh mon dieu. Il s'est passé quoi? Merde, il est où le fusil? Il faut qu'on se tire. Non, faut qu'on se cache. Faut qu'on se tire ou faut qu'on se cache? Je crois qu'on va courir. On va courir parce que si on se cache, j'arrive à l'étrangler. Oh putain. Non. Non.
Non, j'esquive pas, j'esquive pas, j'esquive pas. Patate. Bien fait. Venez à moi. Non. Non, j'appuie pas, la tête d'homme, j'appuie pas. La tête d'homme, j'appuie pas. Oh non, j'appuie pas, frère. Voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. J'aurais appuyé, il aurait tué, frère. Il n'est pas pour Nick ici, il s'est pris de patate. Bon. Il est tombé comme ça. C'est pas bon. En fait, on aurait dû se cacher, je crois. On aurait dû se cacher. On aurait dû se cacher. Mais là, John Cena, maintenant, il a la haine. Alors, il y a une vraie radio dans le local radio. Je croyais que c'était juste pour faire les annonces du matin. Oh ouais, en fait, c'était même une vraie station de radio avant. Enfin, je veux dire, c'est toujours le cas. Attends, il y a zéro mort. Et plus personne apporte sa radio au camp de nos jours. Ouais. C'est bizarre, en fait, de se dire qu'avant, il y avait des gamins... Ah, purée, il y a le monstre sur eux, ça. Et tout ça. Alors qu'aujourd'hui, on a tout sur le portable. Mais Monsieur Hackett le confisque le premier jour de la colo pour qu'on soit pas distrait par la technologie. C'est mort, le truc. La technologie, elle a des bons et des mauvais côtés. Ok, ok. Alors c'est un truc que t'aurais vraiment envie de faire? On va le la radio, la colo? Non, genre le DJ, la musique. Oh, J'aime bien la musique, mais... Oui, je crois que les frères, c'est chaud. Je vais étudier la physique quantique. Attends, sérieux? Ouais. T'as pas vraiment une tête on va se faire de fan fumer. De science. Ah ouais, c'est sûr, c'est on sûr. Pas ici. Je suis prêt, hein. J'ai les deux. Je bégaye carrément. J'ai les deux mains sur la manette. Je suis désolé, mais cette conversation me fascine complètement. Comment ça, pas ici? Pas ici, au... Quand? Je fais ça chez moi. Et ici, je... Tu joues au con, et tu fais... Je sens que j'ai paniqué. J'ai paniqué. J'ai tout raté, je pense. Je l'aurais pas dit comme ça, mais... Ah! Ok, bon, peut-être que j'étais un peu stressé quand je suis arrivé dans ce nouveau contexte social. Et j'ai compensé un petit peu en faisant des blagues et... Tu t'es pris au jeu. Ouais, et puis tout le monde a apprécié le personnage de Dylan le Blasé. Et toi, tu l'aimes bien, Dylan le Blasé, franchement? Oh, vous parlez beaucoup, frère. Ouais, enfin, je sais pas trop, mec. C'est cool, ça me va. Oh, ça m'a fait peur, le truc. J'aime bien Dylan. Bon, enchanté de te connaître, Dylan. Moi, c'est Ryan. Vous parlez trop, il y a un monstre à côté! En fait, c'est plutôt Ryan, foutons le camp d'ici. Ouais, je l'aime bien celui-là, on sent qu'il réfléchit. Voilà. Wesh, tout ça pour ça, wesh! Ils ont parlé un tas. Ah, là, on est au camp de... On est au camp de départ. Où on avait volé les affaires avec Emma, là. Avant de partir. Wesh, mais déjà, c'est... Ah, c'est une falaise, ok, j'ai eu peur. Eh. Je sais... Eh, Vince, où je suis, Armodo, est-ce que tu peux mettre des points de sienne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va mourir ou est-ce que là ces deux personnes vont survivre? Juste pour la séquence de là. Par pitié. Mettez vos points de chaîne. Est-ce que quelqu'un va mourir ou quelqu'un va rester en vie? Oh pitié. Ah oui, c'est vrai, ça va me spoil. Bah c'est en bon. Vrai, non, ça dépend. Bah ceux qui savent, jouez pas, wesh. Perplexe, laisse-moi une minute. Poto, c'est bon, on n'a pas le temps. C'est bon. Parce que là, en vrai, c'est si je rate, il meurt. C'est sûr, frère. C'est est-ce que vous pensez que je vais rater tout et il y en a un qui va mourir ou est-ce que je vais réussir? Les frères, croyez en moi, mettez vos points sur le fait que je vais réussir. Wow, c'est aucun vraiment un taudis, ce truc, hein. Ok, quand j'étais gamin en colo, c'était presque HS. Ça avait pas servi depuis des années et permets-moi de te dire que j'ai passé un temps fou à tout nettoyer dans le local et à tout remettre en état, alors... Je suis désolé si c'est pas à ton goût, mais je me suis vraiment donné du mal. Ok. Je vais allumer ça. Ok. 17 000 points sur quoi? Sur le nom ou sur le oui?
Un de ces trucs pourrait nous être utile? Les outils, là? Non. C'est Monsieur H qui voulait un espace de stockage, alors... C'est un peu pour ça qu'il m'a laissé gérer la station. Ok. 22 000 points sur le fait que je vais... Alors, ça porte jusqu'où? Oh, elle a été conçue. Regardez comment je vais gérer ça. Diffuser des annonces sur la sono du camp et aussi, tu sais, sur les radios des moniteurs et des gamins. Ça doit porter à environ 2 km. Méprisant, je doute que ça aide. Intéressé, comment tu sais tout ça? Bah ouais, on va comment tu sais tous ces trucs? Eux, faut qu'ils restent comme ça. J'ai appris tout seul, en bidouillant. Tous ces trucs techniques, ça a jamais été mon rayon. J'y connais rien dans le domaine. Ben, si tu veux, je peux t'expliquer un peu. Me donner un cours? Ouais, c'est facile, comme l'escalade. Est-ce que c'est le moment? Il y a un monstre. Alors ça marche, prof. En tout cas, ce truc va avoir besoin d'un petit coup de jus, et c'est à ça que sert ce machin-là. Et frère, je veux pas faire l'AD. C'est censé amplifier le signal, il a l'air un peu merdique, je sais, mais ça vaut le coup d'essayer. Ouais, il se drague, je crois. Alors, on va pouvoir parler aux gens avec ce truc? Ouais, enfin, c'est pas bidirectionnel. Donc, en fait, ouais, on peut parler. Mais tout ce qu'on peut faire après, c'est... passer en réception pour voir si quelqu'un essaie de nous envoyer une réponse. C'est peu probable, mais... Ouais, enfin... Ouais, si débile, toi, je suppose. Ouais. Bon, qu'est-ce que je pense, c'est avec dire le truc qu'ils ont là, on pourra peut-être communiquer avec les autres. Faut que ça ait l'air urgent. Ok. Salut! Alors, comment ça va chez vous? Ici, on a besoin d'aide. On est des moniteurs du camp de vacances de Hackett's Quarry. Et il y a eu un accident horrible, une attaque terrible. Il se passe des trucs très 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 graves. Non, vraiment, hein. On a besoin d'aide. Il y a un essaim d'ours et ils sont vraiment partout. Et il y a aussi des chasseurs cinglés qui tirent apparemment sur les ours, mais aussi sur nous. Ouais, le monstre, ce qui il fait pas très normal. Il fait et on a des copains blessés. Et on a vraiment besoin d'aide parce que c'est des ours super méchants. Et du coup, on sait pas trop quoi faire. Alors, s'il vous plaît... Venez nous aider, SOS, ceci est une urgence particulièrement urgente, alors venez vite et aidez-nous. Oh non, j'ai fait un prank, c'est même pas sérieux. C'était bien ou pas? Un essaim d'ours. Oh là là. Ouais. C'est pas un essaim. Qui va prendre ça au sérieux? Ben, ils étaient plusieurs, mais... Oh, j'allume. Ok, bon, ben, on va essayer de passer en mode réception pour voir si on capte un message. Ouais, ok, je vais surveiller un peu pendant que tu fais tes trucs de geek. Non, surveille pas, chef. Ok, ouais, d'accord. Oh, pitié. Les frères, c'est le moment. Viens voir. Pas de réponse. Je vais aller voir. Quoi? Il a parlé du chalet? Les autres moniteurs. Je sais pas, attends. Deux hommes dans le local radio près des cabanons. Et deux autres personnes pour l'instant introuvables. Ah, c'est les chasseurs, ils parlent d'eux. Ils sont tombés sur la fréquence des chasseurs. Terminé. Rassurant, ils parlent de nous. Ah, ils parlent de nous, gros, direct. Putain, il parle de nous. Merde, c'est quoi ce délire, putain? Mais comment? Parce qu'on vient de leur dire! Sur cette putain de radio! Merde! Purée... En plus, il y a un mec dehors. Bon, ils savent où on est, putain. Ah ouais. On peut pas rester là. Merde. Hey, faut qu'on reste calme, ok? On va aller chercher Caitlin et les autres, d'accord? D'accord, ouais. D'accord. Non, 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 sors pas! Ah merde! Oh là là! Pourquoi tu m'as pas dit qu'il y avait quelque chose dehors? Agressif, j'avais un doute. J'étais pas sûr, mec. Merde, c'était quoi ça? J'en ai aucune idée. Éloignez-vous de la porte!
Ryan? C'est un ours? Un ours qui monte sur les toits, oui. Oh non, je pars pas. Oh non, je vais rester là. On va l'affronter en 1v1. Non, mais tu vois, je dois viser et tirer. J'ai pas tiré. J'aurais dû. C'était quoi? C'est quoi? Je vous disais, si je tire, ça allait faire un trou. Il allait rentrer. Merde. Quoi? Kathleen, Abby et Nick, ils arrivent sur le chemin. Oh merde. Ils viennent vers nous. Il faut qu'on les prévienne. Non. Avec la sono. Là-haut? Ouais, ok. Ouais, on peut leur dire de se cacher. Ouais. Tiens le bouton. Kathleen, planquez-vous tout de suite, ne venez pas ici. Il y a une bête vers le local radio, rentrez. Je allez dans un cabanon, allez. Ok, c'est bon, il a géré. Ils sont partis. Nick, faut le buter là. Oui. Chemin choisi. Ok. Ah, il y a une pub. Oh là là, merde alors. Vas-y, s'il y a une pub, allez, on attend 2 secondes. On attend vite fait, parce que je suis un gentil, voilà. La prochaine fois, faut se sub. Moi, j'en ai marre déjà, en fait. J'en ai marre, c'est le mec qui... Subez-vous, bah ouais, subez-vous, frère. Il n'y aura plus de pub. Bon, vous nous dites quand c'est bon. Parce que du coup, ceux qui se sont sub, ils attendent pour rien, voilà. Là, c'est quand je vais mettre la rediff sur YouTube, les gens vont se dire, oh, mais avance, dépêche-toi et tout. Encore 2 pubs, ah non, c'est bon. T'es trop gentil, je sais. C'est moi, c'est carré? C'est bon? C'est bon? Allez, c'est parti. Et maintenant? On peut faire quelque chose. Il faut qu'on le tue. Allez, il faut qu'on le tue, Boto! Il faut qu'on le tue. Voilà! C'est pas un animal comme les autres. Je crois pas qu'un fusil va suffire. Ah, faut pas des balles spéciales. T'as une meilleure idée? Pourquoi tu n'y crois pas? Angoissé, poteau, là on a chaud. Ah, merde. T'as une meilleure idée? Si cette bestiole entend comme un chien, eh ben on pourrait peut-être... Merci, Iwari, pour le... On pourrait passer un son de l'arsen super aigu dans la sono et mettre le son à fond et ça nous défoncera les oreilles, mais... Ah, pas mal. Ok, on fait ça, le truc du l'arsen. Ça marche. Pas mal. Ça va faire full up de bruit dans ses oreilles, ça va faire... Ok, allez Dylan, c'est parti. Allez, fais tes trucs de geek là. Allez. Présent, calme. Si je le presse, il va rater. Je crois qu'on va dire calme, hein, genre souffle un peu. Ou si on se... En vrai, il peut se presser, non? Parce qu'on n'a pas le temps, en fait. On n'a pas le temps, je me dis. On fait calme. Faut être serein, sans froid dans la vie. Ouais, calme. On garde notre souffle. Hey, Dylan, respire. Détends-toi, je suis sûr que tu peux y arriver. Voilà, ça c'est bien. Ok, bon. Ouais. Allez. On va pas le presser. Je sais pas. Il a fait le mauvais bouton. Mais... Il manque quoi? Oh là là. Oh merde. Il a arraché le fil. Remets-le. Je te couvre. Maintenant, vite, vas-y. Shut up!
son bras. Terrifié. Ok, tiens bon. Merde. Merde. Ok, je... Tiens bon. Dirais comme son bras, coupe. Merde. Au fusil à pompe, hein. Fusil à pompe, tronçonneuse. Merde. Tronçonneuse, non. Comme ça, du coup, comme ça. Putain, c'est chaud. Est-ce que je tire? Ah non, la tronçonneuse, j'imagine, la démarre. Ça va le niquer, tronçonneuse. Pompe, hein, direct, hein. Fusil à pompe, poteau. Merde. Non, je... Mais rapproche-toi, tu veux le tirer dans la tête. Mais tronçonneuse, est-ce que ça a bien découpé, je me dis. Chope le fil. Quoi? Chope le fil. Ok. Branche-le dans le truc. Appuie fort. Je fais quoi? Le bouton. Je suis trop RP. On a réussi. On a pété le haut-parleur. On a réussi ou pas? Ça a marché. Bravo, Dylan. C'est pas fini. Non. Pourquoi tu rigoles comme ça? Ok. Merde, maman. Oh non. Accroche-toi. Il a 120 ping. Pourquoi t'as fait ça? Tu m'as dit de le faire. Oh putain, c'était une idée de merde. Putain. Mais il peut mettre un bandage en mode sur sa main. Yeah, ils sont pas morts. Je vous avais dit quoi? Oh. Et oui, zéro mort, poteau. Et ouais. Perplexe. Allez les frères. Je crois que c'est bon pour l'instant. On est tombé sur un de ces chasseurs. Est-ce qu'on peut donner au point comme quoi il y a eu zéro mort, s'il vous plaît? On s'enfuit pour lui échapper. Tous ceux qui ont mis 22 000 points là. Allez, le message est parti. Ouais, je crois. Super. Qu'est-ce qui vient de se passer? Bordel, Dylan! Il s'est passé quoi? Zéro mort. Oh, j'avais annoncé les frères. Je vais bien, enfin. Pas vraiment. Mais ça fait plus mal. Et en état de choc. Putain, c'est pas vrai. C'est cette chose qui a fait ça? Non. Enfin, si on veut. T'avais bien rire. Kathleen, il est où ton fusil? Je l'ai perdu. Un des gars du coin est passé nous voir. Putain, quoi? Elle nous a tiré dessus. Qui est là? Yes. Ah, elle ressemble à la meuf du début un peu. C'était qui? C'est sa mère. Est-ce qu'on la sa suit? Sa sœur. Ça fait peur, Lara Croft. Lana, Laure, c'était Laure, je sais plus. Et merde, c'est quoi ça? Oh mon Dieu! C'est qui? Non, c'est pas Emma, c'est impossible que ce soit Emma. Emma, elle est de l'autre côté de l'île. Non, c'est pas fini. C'est déjà la fin? Mais c'est pas possible! Non, c'est la fin du chapitre! Voilà, bah je me disais que c'était pas fini, ouais. C'était guess comme fin sinon. Oh, c'est vous! Apparemment, il y a une vermine de moins dans le monde. Comment ça, wesh? Regardons encore une fois.
Qui est mort ? Pas de carte, alors pas de voyance, c'est simple. Mais cherchez bien. Il vous reste encore d'autres cartes là, à découvrir cachées quelque part. Nous passons tellement de temps à attendre le futur que nous en oublions que le passé recèle aussi des secrets. C'est une leçon importante. Ouais, j'avais des cartes, j'ai oublié, j'étais à fond dans... Ainsi donc, nous nous quittons à nouveau. Je reste ici. Je vous attendrai. Ok. En vrai, là, tout le monde est sauvé. Je sais juste pas qui était dans l'eau. Et il y avait une meuf avec un bandeau. Elle ressemblait à la meuf du début, là, dans l'intro. Prière du soir. Ouais, Nick, je suis obligé de le fumer, malheureusement. Emma ! Putain, c'est pas vrai. Le BDG originel. Ah, merde ! Merde ! Attends, il y avait quelqu'un, là. Ouais. Purée. Emma, c'est toi ! Et on va fouiller partout, comme ça on va trouver des cartes. Parce que là j'en ai pas, ça va être chaud les frères. Ouais là c'est la folle. Purée. Oh non, il a que Emma. Oh, faut mieux pas tomber. Ah oui oui, bah tombe pas. Tombe pas chef. Mais là, on va où Emma, elle était, non ? Ouais, déjà, tout part à cause de lui. Tout est à cause de lui, en fait, déjà, depuis dès le début. Ça, c'est mauvais signe. Putain de merde. Ah ouais, le monstre, il a encore la tyrolienne, normalement. Ah, c'est pas la caméra à Emma ? Carte mémoire. C'est méchant. Il y a peut-être un truc là-dessus. Ah oui, elle utilise son tel. Bah ouais, je suis en ouf. Je sais pas, c'est à qui, mais en vrai, bénef, hein. Est-ce que là il y a un truc ? Là il y a rien. On va redescendre. Hein. On va redescendre. Je cherche des cartes. Ouais, ce que je suis en train de faire là. Je vais un peu dans tous les recoins histoire de voir là, mais là il y a rien de. Belek un peu en arrière là. Yeah ! C'est la carte. Je suis la carte, wesh. Je suis la carte. Eh oui. Let's go. C'est carré, on a la carte. Ah, ça fait trop peur. Bon, BDG jusqu'au bout, hein, écoute. Oh putain, sérieux. Oh, je suis content de te voir. Oh. Wesh. Merde, c'est retombé. Tu m'as laissé toute seule là-bas, connard. Non, mais Emma, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe ici? Écoute, j'en sais rien, d'accord? Un genre d'ours a attaqué Nick et Abby là-bas. Ouais, moi aussi, mais clairement, c'était pas un ours. Quoi? Qui ? Quand ? Pourquoi ? Pardon, je suis juste content que... Ah, les deux ouais, me foutent la rage. Vite fait. Mais Emma, c'est vrai que c'était la goutte. C'est vrai que c'était la goutte. Quoi ? On aurait dit quoi, Emma ?
comme un truc de film d'horreur. Ok. Bon ben, c'était probablement juste un ours qui voulait se défendre. Non, joue pas au con, je te dis que c'était pas un putain d'ours. Bon, d'accord, d'accord. Et maintenant, on a ces putains de chasseurs qui rôdent de partout comme s'il nous manquait plus que ça. C'est eux qui m'ont fait ça. Ça fait beaucoup de sang. Oui, mais c'est pas le mien. Faut que je te dise un truc. Tu refoules. D'accord. Et ensuite ? Ok, il faut qu'on sorte de cette forêt. C'est tout, ouais, voilà. Sans déconner, elle voulait juste l'éteindre. Tu sais, Jacob, t'as pas non plus besoin d'être un connard en permanence. Désolé. Oh là, est-ce qu'on fait le BDG jusqu'au bout ? Merde, pardon. I'm sorry, Emma. Ou est-ce qu'on fait la défense ? Eh, j'essaie juste de nous garder en vie. Non, en vrai, la défense, hein. Eh, c'est bon, il y en a marre d'être BDG. Hey, non, il y en a marre. J'essaie juste de nous garder en vie. Je me débrouillais pas si mal toute seule. Quoi ? J'ai pas besoin que tu viennes me sauver. Je vais pas subitement tomber amoureuse de toi parce que tu joues au chevalier blanc. Tu sais, je serais même pas étonnée que ce soit toi qui aies tout organisé. Oh putain, quoi ? Eh ben, elle a raison en vrai. Chut ! Il est là. Vas-y, ça, s'ils s'embrouillent entre eux, c'est KO, frère. Attends, faut pas qu'il tombe, j'ai la mallette. Attention. Oh là là. J'attends. Allez, toi déjà, ça dégage. Courir, se cacher. Putain, courir au sol. Eh, cours ma gueule. Maintenant. Cours. Allez, c'est bon. Merde. Oh là là. Je vais tomber sur un piège. Les pièces des chasseurs. Oh putain! Oh là là! C'est pas vrai! Mais non! Se dégager. Comment ça se dégager? Écarter. Comment ça, wesh? Comment ça se dégager? Bah j'écarte, mais. Ouais, j'ai écarté, mais se dégager, c'est-à-dire. Allez, mets toutes tes forces, pitié. Vous pouvez... Wesh. Ah ouais, mais papy, il est méchant. Papy, il est méchant. C'est bon, au moins, papy nous a pas tués, il nous a mis juste un coup de crosse. Elle est avec ses chasseurs, là ? Je crois pas. Jimmy, ça va ? Tout va bien ? Je sais pas qui c'était, l'autre. Je l'avais jamais vue avant. Moi non plus. Emma, elle est dans l'eau, là, pour l'instant. Mais elle... Ouais. C'est Kaylee Hackett. La fille de Monsieur H ? Elle est rentrée avec son frère. Kaylee. Ouais. C'est Kaylee. Je croyais aussi. Et merde. Pauvre Kaylee. Nick. Tu sens trop bon. Le psychopathe. Je vous dérange pas ? Essaie de te calmer un peu, hein. Ta gueule, Kathleen. Hey. Wesh. Mais lâche-la, là ! Nick, qu'est-ce que tu... Je veux te goûter. Hé ! Viens là. Oh, Nick, arrête ça ! Oh, arrête !
Wesh! Attention, Jessie, arrête! Nick? Non, Abby, t'as bien fait. Elle prend l'eau. Je voulais juste qu'il arrête. Aidez Nick. Hey, fuck Nick, ma gueule. On s'en bat les couilles, frère. Hey, c'est bon. Non. Tout va bien. Je on va pas t'aider, poteau. Je te tiens. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Tu t'en sors tout seul. Il est gelé. Ok, on l'emmène dans le pool house. Faut qu'il sèche. Mais c'est un monstre. Ouais, il va se transformer là, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Lui là, faut qu'on l'envoie. Faut qu'on l'envoie en bas. Abby. Chut. Repose-toi. Merde. Je suis désolé. Ouais, mais avec l'eau, ça tue l'infection. Arrête de bouger comme ça! C'est propre à ce que j'ai vu. Enfin, ça saigne plus. Mais il va te falloir un médecin. Quelqu'un est mort pour l'instant. Personne. Bon, c'est tout ce qu'il me reste de l'infirmerie. Oh, cool. T'as plus qu'à espérer que tu sens bon. Il avait grave là-bas. Il faut qu'on garde une trace de tout ce qui se passe, ok? Pour la police. Ouais. Faudra expliquer la fille morte dans la piscine. Hé, on se calme. Non, mais des photos ou ce qu'on peut. J'ai juste l'impression que les flics vont avoir du mal à croire tout ce qu'on leur racontera si on n'a pas de preuves solides. Bon, maintenant, si vous avez votre téléphone et que vous voyez un truc, prenez une photo ou une vidéo. Ouais. Ça ira pour toi, Abby. Et si t'essayais de trouver quelque chose pour que Nick soit mieux installé, qu'est-ce que t'en penses? Et là, elle est allongée, balle de pompe comme ça. Oh. Chercher, hein. Je cherche. Oh là là, c'est quoi ça? Je me demande où est Caleb. C'est qui Caleb? Ouais, ok, ils sont là, je vais aller là, Belek. Attends, elle m'a dit de chercher où là en plus? Attends, elle m'a dit où? Chercher de quoi mettre Nick plus à l'aise. Bah, un fusil à pompe! Il sera bien à l'aise là, poteau! Wesh, je vois rien, wesh! Je suis obligé de le mettre à l'aise, genre! J'en fous, non? Ah, fallait juste que je rapproche ça! Là, c'est mieux! Merci! Fallait juste. Il pouvait le faire tout seul! Hey! Qui était sa tête? Elle est zombifiée. Je peux pas vous parler, les copains? Ah ouais, ça m'envoie au charbon. Vous pensez que je monte ou. Ah, je sais même pas monter. Ah, je me dis, on va fouiller, non? Ouais, regarde dans l'air comme ça. Ouais, je fais la niquer. Elle marche comme ça, Odo. On a quitté comme elle marche. Cassage de cou en méchant. Oh, pitié. Je me dis, y'a rien à regarder. Enfin, y'a rien à. On va lui reparler hein, directement. Ok, mais j'ai pas compris ce que je dois faire. Ah, ok. J'ai pas compris ce que je dois faire. Chercher de quoi mettre Nick plus à l'aise. Les poteaux, j'ai déjà tout donné là. Putain, on va encore casser la démarche là. Il est cerné. Mais en fait, c'est que j'ai déjà fait toutes les pièces, wesh. Là, c'est la dernière pièce que. Y'a rien à prendre, wesh. Là, une couverture, ouais, c'est ça que je lui ai donné, mais y'en a pas là. Ah, peut-être j'ai mal cherché, mais genre. Y'a rien là, wesh.
Fouille. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire. Hein. Là, je vais tout relonger. Ça, on a déjà vu. Là, il y a des tiroirs. Ok. Ah, ici. Ok, c'est bon. Ouh là là. Cet endroit était complètement différent il y a 12 heures. C'est de la vie. Wesh. Hé, il y a un truc pas normal avec Nick. Ouais. Ouais, il est vraiment mal. Vous avez vu comment il a flippé dans l'eau ? Ouais, on aurait dit un poisson, mais hors de l'eau. Non ? Ouais. Waouh, voilà, comparaison. D'ailleurs, il y a eu un truc bizarre quand j'ai essayé de nettoyer ses plaies, au chalet. C'est-à-dire ? Bah, ses fringues étaient pleines de sang, mais j'ai pas trouvé de traces de morsures, de griffures ou rien d'autre. Il était très agité, il voulait me cacher la gravité de ses blessures, je crois. Tiens. Huh. La rage ? Non, il bave pas du tout. Je crois qu'Abby serait pas d'accord. Ouais. L'aquaphobie, c'est pas un symptôme de la rage ? L'hydrophobie, ouais. Mais je crois que c'est plus la peur de boire, pas d'être mouillé. Il ressemblait à... À mon chat dans la baignoire. Ouais. Ne t'approche pas, recule ! Abby... Oui. Je peux te poser une question ? Est-ce que tu veux te toucher ? Bien sûr. Est-ce que je te plais ? Agressif, ça y est, wesh. Je sais pas ce qui t'arrive en ce moment, mais je préférais l'ancien Nick. Je le savais, tu m'aimes pas du tout, hein ? C'est pas ce que j'ai dit ! Et si t'arrêtais de mentir ? Mais arrête, je te mens pas ! Putain, faut pas qu'il devienne nerveux ! J'ai traîné avec toi parce c'est vrai. Que j'étais désespéré. Pauvre petit ami, sans fierté, prêt à se jeter dans les bras du premier mec qui passe. Wesh. T'es une bonne poire. Wesh. Une proie facile. C'est pas toi. T'es pas comme ça. Je... Wesh. Wesh. Il a fondu Hulk. Ami, est-ce que ça va? Oh putain. Wesh. Il a une force. Même Chess, il est pas aussi fort. On n'a pas de fusil. Ah si. Oh pitié. Je l'ai envoyé. Il est pas bon. Je sais pas quoi dire. Ouh. Un mort. Non, mais ça compte pas. Ça compte pas. Et où ils sont tous passés? Oh putain. Oh non, j'ai visé la tête, wesh. Ok. Ah, j'ai tiré sur ses côtes ? Bon. Oh non, j'ai visé la tête, wesh. Si j'étais monitrice, dans une colo hors saison, à traîner près d'un feu de camp, et qui se mettait à pleuvoir, et qu'il y avait des monstres, moi, j'irais... au chalet.
Voilà. Allez, trouve-nous une petite carte là si on a une à trouver, Maïji. C'est quoi ça? Il y a encore les histoires de Ryan. Je savais pas que les gamins avaient été si traumatisés. On est vraiment nuls comme moniteurs. C'est réel, wesh. Allez, on y va. Oh non, Ryan, il les a traumatisés. Il a raconté une histoire. Le petit, il a écrit une lettre à ses parents. Maman, Ryan, il fait trop peur avec ses histoires. Oh là 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 là. Oh purée. Faut que je parte ici. Vas-y, ils vont tous mourir, wesh. Oh, mais marche plus vite, toi aussi, t'es bien lent. J'ai son téléphone. Il a 100% illimité. Depuis, il est pas déchargé. Oh non, son flash, il est pas puissant. On dirait une lampe torche. C'est de la D, wesh. Oh là là. Oh là là. Oh non, ce téléphone il est waterproof. Mais j'aimerais bien savoir la marque, hein. J'achète direct. Waterproof, incassable. Batterie de téléphone, 500%. Est-ce que la batterie elle tient un an sans charger? C'est de la vie, wesh. Et quand il reste 100% au téléphone, il se recharge tout seul. Il est limité le téléphone en fait. C'est un glitch. Oh là là. Toute fonctionnalité. Le téléphone il a déjà une SIM, incassable. Oh là là. Putain. Wesh, elle est lente aussi, elle veut pas courir elle. Oh non, Bigo full option. Quelle garantie, il est incassable, il n'y a pas besoin de garantie. Il n'y a pas besoin, wesh. Quelle garantie sur un téléphone incassable? La seule garantie, tellement mon téléphone il est bien, s'il marche trop bien, t'en passes un deuxième. C'est ça la garantie. Pardon, j'étais plus concentré, putain. Putain, j'étais plus concentré à cause de vous, là. À cause de vous, wesh. Chut, Abby. Non, fais pas ça. S'il te plaît, c'est que... Tu sais ce qui se passera. Ah, ils ont réussi à l'attraper. Ah, mais il y en a un deuxième. Il y en a un deuxième. J'ai encore jamais fait ça, papa. Mais tranche-lui la gorge. Oh, oh non. Fuir. Je reste avec eux, non? J'aurais fui, ils m'auraient vu. Je me suis dit, je bouge pas. Ces gamins. Je me suis dit, je bouge pas. Stop! Arrête de gigoter! Donne-moi la seringue. Elle a été mordue? Pas. Comment veux-tu que je le sache? J'en sais rien. Laisse-moi regarder. Non. Lâchez-moi tout de suite! Oh! Vas-y, elle fait la meuf énervée, wesh! Bah ouais, fais la meuf énervée. Pourquoi t'es énervée? Kathleen! Ryan! Abby! C'est pas rassurant. On en a bien crié, le monstre va bien venir sur elle. Abby! On te dit, crie pas, t'es là, t'ouvres ta bouche comme ça. Ryan?
Je me dis là, la seringue elle sert à quoi? Quand tu piques les gens, ils redeviennent normal? Je pense pas en vrai, ça serait trop cheaté. Voilà, mauvaise idée d'aller dans la voiture. Regarde, hein, regarde. Hein. Ah, j'ai eu peur. Là, c'est vraiment de la D. Là, c'est vrai que c'est un vaccin. Ouais, je pense que c'est ça aussi. Je l'ai tué. Je l'ai tué. En général, les gens morts, ça saute pas par les fenêtres pour s'enfuir dans les bois. Pardon. Tu as fait ce que tu devais faire, voilà, on va la rassurer. Abby, il allait te faire du mal. Tu t'es juste défendue. Non, mais... J'en suis pas aussi certaine. Moi si. Non. Non. C'était lui ou toi? Ouais, ça commençait à être le bordel, j'aime bien. Ça, c'était clairement pas lui. Putain, mais quelle merde. Oh putain. Bordel, où est passé Chris Hackett? Qui est là? C'est la meuf, non? J'ai besoin d'aide. Pitié. Vous êtes qui? Je m'appelle Laura Tierney. Allez Laura. Et c'est Laura, c'est Laura. C'est dangereux dehors. Ouais, il y a une tarée avec un flingue qui bute des gens. Je n'ai... Laura qui... Tu es personne. Oh merde, non. Laura Kearney, t'es Laura Kearney? Oui. C'est la meuf qui devait pas... T'étais censée travailler... T'étais censée aider à l'infirmerie, non? Et t'es jamais venue. Toi et l'autre gars, qui déjà? Max. Ouais, Max, voilà, c'est ça. Monsieur Hackett a dit que vous aviez changé d'avis au dernier moment. Je crois qu'on devrait l'écouter. Dedans. On va ouvrir la porte. Et dans tous les cas, poteau, on a un pompe. Balle dans la tête. Au pire, hein, balle dans la tête. Ok. On a un pompe, gros. Je vais ouvrir la porte. Doucement. Les mains en l'air, ok? Ok. Voilà. Voilà, t'as vu? Je t'ai dit, wesh. On l'aurait pas ouvert, vas-y, ça se trouve, elle serait devenue méchante. Comme nous nous retrouvons. Rien que vous et moi. Moi, je prends ma chaise à descendre. Et si nous regardions de plus près ce que vous avez trouvé? La justice. Œil pour œil. Dent pour dent. Enfin, cela peut aussi signifier parfois la causalité. Les actions ont des conséquences. Il y a un équilibre dans toutes choses et nous avons tous un rôle à jouer pour essayer de maintenir cet équilibre. Fragile. Voilà, on est encore en date, hein. Mais dites-moi, souhaitez-vous plonger plus profondément dans l'un des nombreux futurs possibles? Et ouais, demain tu live. Ouais, il y a live sur Club Pro demain. Voir plus, hein. Du coup, on regarde derrière. Y'a rien. Elle a tiré sur qui, frère? Bah ouais, j'ai regardé derrière, maintenant j'ai même pas vu. Ouais. Une de moins, rappelez-vous. N'est-ce pas terriblement excitant? Je vais re-regarder. Je vais regarder le... Pourquoi ma chaise est descendue? Attendez. On va voir les tarots. Balle dans le chien. Ok. Pourquoi vous êtes pas venu? Vous étiez où pendant ces deux mois? On est arrivé... un jour plus tôt. C'était pas une bonne idée. Ça, je me dis, genre, pourquoi on l'a tiré dessus? C'est-à-dire, faut pas le tuer, ouais.
Faut pas le tuer, je crois. Et oui, jamais être à l'avance, les frères. Être en retard, c'est être à l'heure. Ouais, c'est lui, il devait aller à l'hôtel, là, avec son gars. Fait grave, j'aurais dedans. On va rien dire. Allez, gros. Pas de bruit, hein, obligé. Et lui, il est trop chelou déjà. Jeune fille, on va passer un mauvais moment. En fait, lui, il a une tête de mec mordu, mais il est normal, je comprends pas. Par contre, il a Mickey à côté, là. Max, il vient de se transformer là. Wesh. Qu'est-ce que vous avez fait à Max ? La ferme. Vous pouvez pas. La ferme ! Aïe. Je vais poser des questions. Et vous ? Vous répondrez. Non. C'est mieux, on lui obéit là pour le début. Laura Kearney. Je crois que c'est ça. Hein. Avec qui vous êtes et quel est son lien avec vous? Max Brinley, c'est mon copain. Où alliez-vous hier soir? À la colo de Hackett Squarry, vous le savez déjà. Qu'est-ce que vous avez fait à Max? Non. Je pose les questions, vous répondez. Ah ouais, et c'est comme ça. Comme on est en GAV, hein. On va obéir. Ok. Vous voulez quoi? Bah. Eh ben. Pourquoi vous alliez à Kate Squarry? Max et moi, on est moniteurs. Non, arrêtez. Les moniteurs arrivent qu'aujourd'hui. Je vous l'ai dit, on est arrivé en avance, on s'est dit qu'on irait voir le camp. Pourquoi ne pas aller au motel, comme je vous l'ai dit? Mais parce qu'on était beaucoup plus près du camp et fauché. Vous avez plus de talent. Ok, shérif. Hackett. Hackett comme... Chris Hackett? Ne change pas de sujet. Attendez, mais qu'est-ce qui se passe ici? Tu n'as aucune idée de ce qui se passe ici. Comment ça, hyper passionné? Tu n'imagines même pas. Vous vous êtes fourré dans un gigantesque merdier nucléaire de catégorie A, jeune fille. Et la seule option, c'est de la boucler et de faire ce que je dis. C'est ça. Est-ce que c'est clair? On va avoir des talles pour pas subir des nuits d'horreur. C'est exactement ça. Là, on va être tranquille, là. Pitié. S'il vous plaît. Arrêtez de vouloir m'intimider. Et dites-moi plutôt ce qui se passe. Est-ce que Max est vivant? C'est tendu. J'ai l'impression de devenir dingue. Quoi? Qu'est-ce qu'il va nous faire là?
Elle nous a détachés. Attaquer. Non, non, faut pas l'attaquer, faut pas l'attaquer. On va pas l'attaquer, on a vu dans l'après-dit. Après ça, elle est partie en cacahuète. Hé hey. Hé, hey, vous. C'est pas Maxi. Connard. Ah si. Vous allez nous dire ce que c'est que ce bordel. Je sais que vous m'entendez. Mais il a changé, wesh. Occupé, hein, direct. Max, est-ce que ça va? Tu te fous de ma gueule? Wesh. Tu voulais me laisser crever, Laura. Qu'est-ce que ça te fout si je vais bien, hein? Wesh, tranquille, poteau, wesh. T'es con. De ouf, c'est grave à cause d'elle de base, j'avais oublié. Oh merde. C'est grave à cause d'elle de base. Je sais pas quoi dire, Max. J'étais absolument terrifiée, j'ai juste pas réfléchi. Ah, je peux pas t'en vouloir d'avoir flippé dans une situation comme... Voilà, calme. Ce qui nous est arrivé. C'est à cause d'elle, faut pas... Désolée. Voilà, c'est ça. Je m'en remettrai. Voilà, un couple mature. Laura ? Ouais ? Pourquoi je suis à poil ? Quoi ? Eh ben, on s'est fait attaquer. Et après, je me suis réveillé dans une cellule et sans toi. Et maintenant, t'es là et j'ai plus mes fringues et il y a du sang et des trucs partout. Qu'est-ce qui s'est passé, putain ? J'espérais que tu le saurais. Il voulait que j'avoue. Déçu. J'espérais que tu le saurais. Ah, je suis déçu, moi, tu sais pas. Non, en fait, on peut pas être déçu parce qu'après, vas-y, Belek, ça fait des embrouilles. On va dire. On peut faire suspicieux, ouais, pardon. Bah, notre hôte avait très envie de m'arracher des aveux, mais je serais incapable de dire ce qu'on était censé avoir fait d'après lui. Putain. Il a pris quoi pour te faire parler? Une pince, une lame? Non, rien, j'ai juste tout balancé. Une poinçonneuse? Non. Je me suis pas fait torturer. Il se prend pour qui, ce type? Le shérif de Northkill, apparemment. Northkill? Ouais. Max! Quoi? T'as regardé la carte, au moins? À Kett's Quarry, à Northkill, c'est la ville. Ah. C'est de la dé, là. Et c'est même pas le pire. Parce que du coup, là, on est revenu... J'ai jeté un coup d'œil à son badge et... Flashback. File ça. Il t'a donné quoi? Je serai pas la star de la prochaine Fashion Week, c'est moi qui te le dis. Hé hey, j'ai dit que vous pouviez vous parler? Non, chef. Obéissante, obéissante. Désolé, on va se taire. Ah ouais? Max? Hé, hey, vous avez fait quoi de ma vraie copine? Aïe. Ça. Comment ça? Ok, grand. Présente-moi tes mains. C'est-à-dire? Allez! Ah bah trop bien alors, c'est bien alors, oui. À toi. Après Max, j'avoue que... J'irai nulle part. C'était prénom de chien un peu. Dépêche. Hé! Hey, hé! Hey. On ne touche pas! Allez! Bouge! On sait jamais, je prends la manette. C'est bien. Non, en vrai, ça va, il s'est rien passé. Hey, il va lui faire des choses lugubres! J'ai coté. Laisse-le, droite. Max, arrête! Tu fais qu'empirer les choses! Laura. Mais déjà, Max, on dirait, il nous reconnaît plus parce qu'on est devenu qu'est-ce gentil. Que vous lui avez fait la ferme.
Merci The Yanis pour le prime. Ok, donc on a ça. On va tout fouiller. C'est quoi? Non, c'est mort. J'ai besoin d'une sorte de levier. Ok. Sous le lit, il y avait un trou sous le lit, je crois. Ah non, sûr. Ça, c'est méchant, en vrai. Ça peut le faire. Je crois voulait un levier, donc en vrai, c'est banger. Oh non. Oh non, il est étonné de haut. Ça devrait marcher. Je suis censé faire quoi avec ça? Et pourquoi la dalle elle est différente des autres? Tant de questions. Qu'est-ce qui est fait? Wesh. Vraiment prison break là. Eh, faites gaffe, je marque facilement. Arrête ton cirque. Dès qu'on sort d'ici, vous êtes mort, sale connard. Tout ça. Oui. Dès que vous sortez. Qu'est-ce que ça peut te faire? Est-ce qu'on est agressif au moins une fois? Mais en vrai, il est là pour nous aider, wesh. C'est ça que je me dis en vrai. Je tente. Allez, je tente hein, au pire, hein, de toute façon. C'était censé vouloir dire quoi? Ah, tout ça pour ça, là? C'était censé vouloir dire quoi, connard? Ah, ok, voilà, il y a le petit connard qui fait ok. Vous pouvez pas nous laisser là! Hé! Hey, revenez! Oh non, je vois The Quarry ou Prison Break? Merde! Sa mère! Je veux pas se situer! Alors lui, le roi des cons. Ouais, le doublage, il est bien, j'aime bien. Les voix, elles correspondent au visage des persos. Comment ça s'est passé? Direct. Comment ça s'est passé? Est-ce que t'as tout déballé comme une poucave? J'avais rien à avouer. Non, je suis sûre que t'as beaucoup de choses à cacher. C'est trop meuf alors qu'on a tout d'accord, balancé. Peut-être, mais je crois pas que ça l'intéresse de savoir que j'ai copié sur Mickey Washington en contrôle de chimie. Plus sérieusement, ça a été? Il m'a posé des tas de questions débiles. Ouais, j'en sais rien. Tu me lâches un peu. C'est bon, calme-toi. Ils sont tendus dans leur couple, hein. Un peu tendu, le couple, hein. Ok. Oh, et est-ce que t'as jeté un coup d'œil à son badge? C'est pas vraiment l'inspecteur tête de bite? C'est Hackett. Wesh. Shérif Hackett. Tu crois que c'est la famille de Chris Hackett? J'hallucine, c'est le Chris Hackett? Ouais. C'est qui Chris Hackett? Ça peut pas être lui Chris Hackett. Eh bah, le directeur du camp, monsieur Hackett, de Hackett's Quarry, tu te souviens? Ouais, ok. Putain, hier soir ça me paraît tellement loin. Mais ça veut dire quoi, tu crois? C'était un piège? Ouais. C'est peut-être une sorte de réseau d'enlèvement de, je sais pas, moniteur de colo. C'est... Oh, le raccourci de zinzin. Attends. Quoi? Ouais, Max, il est vraiment perdu. Max, il est vraiment... Une espèce de piège. Il n'a pas le profil... Non, ben non, il n'a pas le profil d'un kidnappeur. Ok, le shérif Hackett a peut-être pas vraiment le profil d'un kidnappeur typique, mais... Il a pas trop le profil d'un flic non plus. Parce que tu t'y connais en kidnappeur. Ouais. En fait, on dirait pas un policier.
J'essaie simplement de nous sortir d'ici, et j'y arriverai pas tant que j'aurai pas compris pourquoi on est dans cette merde. On dirait vraiment pas un policier. Je sais pas, et s'il y avait aucune raison. Quoi ? Mais c'est obligé. Mais il y a des choses qui s'expliquent pas. Et donc ? On va rester en tôle ici jusqu'à la fin de nos vies, c'est ça ? Je crois que c'est ça le thème, hein. Encourageant, ce n'est pas à vie. Positif, frustré. Allez, ça va pas durer, on motive, Max. En vrai. Il peut pas nous garder ici éternellement. Il avait pas l'air du même avis. Il fallait juste venir à l'heure. Tu restes positif. Tu viens un jour tu en avant. Pas dire ça. Pourquoi ? Arrête, c'est trop, wesh. Autant se faire une raison, non ? Non, c'est mort. Comment tu fais pour que tu comme ça ? Il faut que tu penses au reste de l'été, tiens, Max. Je mets que de l'eau. À la fac. Du savon, c'est tout. Je rêve de devenir veto depuis l'âge de 5 ans. Et c'est pas cet enfoiré de flic de merde qui va m'en empêcher. Ah, vétérinaire, c'est bien. Il y a bien des monstres, c'est des on animaux, va sortir c'est bien aussi. Je vais faire mes études de veto et toi. Tu vas. Quoi ? Je vais faire quoi ? J'ai vu ton courrier, Max. J'avoue, par contre, tu débites là. De quoi tu parles ? J'ai trouvé la lettre de refus de la fac. Elle était dans ton sac. T'as fouillé dans mes affaires ? Il a des beaux yeux. J'y crois pas que tu m'aies rien dit. J'avais honte. Mais tes notes étaient bonnes et ta disserte était super bien. Ouais, mais pas assez apparemment. Mais merde. Oh non, ils sont en prison, ils parlent de ce qu'ils vont faire dans la vie plus tard. On avait nos plans, Max, ça fait chier. Je sais bien, tu veux que je te dise quoi ? Eh oui, Parcoursup c'est mort. Et oui, lance-toi sur les réseaux, Max, ça a percé, t'inquiète. Pardon de t'avoir menti, peut-être. Je suis désolé, Max. On va créer l'embrouille, frère. Bah, peut-être quelque chose comme pardon de t'avoir menti et laisser croire qu'on irait à la fac ensemble à la rentrée. Ça serait un bon début. Tu vois, je savais que tu dirais ça. Oh, mais merde, oh, non, putain, t'as ils menti vont s'embrouiller, merde. Alors assume et excuse-toi, ça va te paraître vachement merde. Long comme passage en prison. Ils vont s'embrouiller. Ok. J'aurais pas dû faire ça. Excuse-moi. Yeah ! Encore l'homme qui s'excuse. Contente ? J'ai une théorie. J'ai une sacrée théorie. C'est bon, on va plutôt essayer de se tirer d'ici, déjà. Ouais, ça fait cool. 20 ans, ils sont quand là, ouais. Il faut qu'on reprenne tout depuis le début. Quoi, quand on est parti ? Non, quand on est tombé sur le flic. Donc après avoir vu ce... La ce théorie. Truc qu'on a croisé. J'en parlerai dans ma conférence à Exactement. Shanghai. Exactement. Bientôt, ouais, bientôt. C'est là que tout a commencé à déconner. Tu crois que c'était une bonne idée de lui mentir ? Pour l'histoire du nid de poule ? Ouais. J'en sais rien. À mon avis, il a capté que c'était pas vrai. Il avait l'air vraiment bizarre. Et si c'était même pas un flic ? Ce n'est pas bah, un il flic. Est sûrement pourri, mais... Mais je dirais quand même que c'est un flic. On est dans un commissariat. D'accord, ouais, mais quand même. Parce que j'avais déjà personne fait... Ici, c'était où déjà ma... Ah oui, elle était à... Ouais, ma première conférence, je sais plus où elle était. Surtout avec l'histoire du nom à Kate. Je reste d'avis qu'ils sont tous les deux dans le coup. Ok. Donc on a rendez-vous avec Chris à Kate au camp, mais sur place, il y a personne et on se fait attaquer par... un truc. Ouais. Et là, le flic se pointe. Cette partie est floue pour moi. Je me souviens des marches et une odeur de chien mouillé. Bah oui, tu vas être veto. C'est bien, wesh. Un collier de chien avec écrit Yann dessus. Yann ? C'est bien, Yann. Wesh. Je crois pas qu'on ait été attaqué par un chien. Oh non, la séquence, elle dure 20 ans. Comme personne. Ouais, adulte. Il s'est bien acharné sur toi. Je suis surprise que t'aies rien de plus grave. Je me souviens clairement avoir vu ses dents se planter dans ta peau. Mais le plus dingue dans tout ça, c'est... Laura, j'ai pas une égratignure. Quoi ? Eh, ok, question bizarre. Tu te souviens ? Avant qu'on se perde ? Que tu te perdes. Ouais, non, d'accord, mais avant ça, je te disais... Waouh, regarde la lune. Elle est grosse, c'est trop cool de voir la pleine lune au milieu de la forêt. Et toi, t'étais là, ouais, tu sais, Max, ça arrive tous les mois. Ouais, et ? Ouais, bah... Tu sais... Oh non, c'est un flashback ou l'histoire là ? Ouais. Je comprends pas.
Et si... Non. Stop. Je dis ça comme ça. Tu sais, peut-être c'était une sorte de... De loup-garou. Non, mais tu t'en... Pour parler, ouais, sérieux... Ça a coupé vite, wesh. Un loup-garou, enfin sérieusement. N'importe quoi. Putain. Quoi? Bah quoi? Pourquoi tu ris? Parce que j'ai dit exactement la même chose. Ok. Et donc, vous avez rien trouvé de mieux? Zombie? Alien? Un vampire temporel? Calme. Ryan, ferme-la. On va pas être méchant. Ryan, c'est ça? Ouais. Tu veux des réponses? J'ai des réponses. Coupe-moi encore une fois, je laisse tomber. Voilà. C'est bon. Voilà, Ryan, reste tranquille, Ryan. Reste tranquille. Et si c'était... Si c'était pas si fou que ça? Avec tous ces trucs qui sont arrivés à Nick... Et cette chose sur le toit... Ok, en fait, ça pourrait même expliquer pas mal de choses. Dylan... Ça va, j'essaie juste de garder l'esprit ouvert. Regarde un peu tes histoires de fantômes. C'est pas si différent de ce qu'elles racontent. C'est juste des histoires. Mais il y a forcément une explication rationnelle pour tous Ryan, ces trucs. Ryan, il vit trop les sur la lune, wesh. Mais ça existe. Attends, pas les loups-garous. Nettement moins rationnel quand t'as décidé de séparer ma main du reste de mon corps. C'est toi, Ryan, qui me l'a... Vas-y, je m'épose. Je vous laisse 15 secondes, voilà. Parce que c'est encore une fois, voilà, venez vous sub. Subez-vous, je crois que c'est 4€. Au lieu d'aller emmener votre tracli au McDo, ouais, tu payes 20€, bah c'est que 4. Voilà. Vous nous dites quand c'est bon. Et un mec, il a dit subez-vous, il est même pas sub. Eh, shit. Vous me dites quand c'est bon. Le jeu parle de quoi, s'il vous plaît? Ah, poteau, là, t'as au moins 5 heures de retard, ça va être chaud. Vas-y, on reprend. Attendez. Et si morsure vous subissez d'amputer, il faut vous presser. Quoi? T'as fait ce qu'il fallait. Tu vois? Et elle a même un poème dessus. Hey, j'ai une question. Si je leur ai coupé le bras à la tronçonneuse, il se serait passé quoi? Ça va plus loin que ce que vous pensez. Laissez-moi terminer. Après, je vous laisse décider si vous me croyez ou pas. Je m'en fous. Mais vous devriez m'écouter. Putain, vas-y. La même chose. T'aurais attiré le monstre. Ok. Les semaines suivantes ont été longues. J'ai capté. Le flic nous filait à bouffer et nous faisait prendre des douches, mais à part ça, on le voyait cachait une purée. Max et moi, on a beaucoup parlé. On se remémorait tout ce qui s'était passé. Ouais, t'as 6 heures de live de retard, poteau. On échangeait les théories les plus folles. On a parlé du flic, du camp, de l'accident, des bois, du truc dans le sous-sol, ce qu'avait vécu ouais, Max. Ouais, ils sont restés enfermés pendant 20 ans, ouais. Tout ça en boucle, encore et encore, et rien de tout ça n'avait de sens. Mais on savait qu'il fallait qu'on se tire de là. Wesh! Le live sera sur YouTube, oui. Sera en plusieurs parties. Je supporte plus cette merde. C'est pas si mal. Ils bouffent sûrement pareil au camp, tu sais. Non, je peux plus supporter d'être enfermé ici. Ah. Ouais, là je suis d'accord. Il faut qu'on tente un truc, il faut qu'on se tire d'ici. Il nous faut un plan. Arrête pas de dire ça. On est sur rester deux mais mois. Mais ça dure donc. C'est une dinguerie, wesh. Fais-moi signe si t'en trouves un. C'est pas comme ça que tu vas m'aider, Max. Je crois qu'il faut faire semblant qu'on se sent pas bien et qu'on sorte, non, un truc comme ça. Quoi? Juste un tout petit détail. Je peux potentiellement être un putain de loup-garou, Laura. Pas si fort. Alors quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? S'enfuir vers le soleil couchant jusqu'à ce que je me transforme en horrible monstre et que je te tue et te bouffe? En avant vrai, de me remettre à courir seul vers le soleil avec des bouts de doigts dans les dents, hein? Ok, stop. Un seul problème à la fois. C'est vrai, on sait pas si c'est vraiment ce qui se passe et on le saura jamais si on reste ici. Ok. Ouais, mais dehors, là, il y a le camp dehors, il n'y a pas de monstre là. Pendant l'été. On la joue fine et on essaie de l'amadouer. Pour qu'il nous laisse partir? Ou. On tente de le surprendre et on prend la fuite. Il faut qu'on s'évade.
Ah, mais en fait, j'ai peur que ça dégénère, frère. Si on arrivait à sympathiser. Je crois à faire téméraire, hein, faut qu'on s'évade, hein, poteau. Dans tous les cas, au pire, juste on lui met pas de balle et puis c'est tout, wesh. Je refuse d'être sympa avec ce connard, ne serait-ce qu'une seconde. Il faut qu'on s'évade. Cool, ok. Et comment? J'en sais rien. On l'assomme? On... Laura, tu sais que ça marche que dans les films, ça? Si tu cognes quelqu'un à la tête, tu vas plus le tuer ou lui coller des grosses lésions cérébrales que l'assommer. Ouais, ce serait dommage. Là, c'est vrai, c'est de la D. Ouais. Quoi? Déterminé, on s'évade, donc on essaie pas de l'assommer. On s'évade, non? Elle avait une grosse griffure sur l'œil. Ouais, mais je crois que c'est Max qui a dû la fumer. Déterminé, hein, je crois qu'on va s'évader. Hein. Bon, alors on s'évade. On prend des noms de code? Parce que si oui, moi c'est éclair de feu. Non, sérieusement, Max, on se tire d'ici. Éclair de feu. Ok. Compte sur moi. Ok. Voilà ce qu'on va faire. La prochaine fois qu'il ouvre ta cellule pour t'emmener te laver, tu l'attaques. Tu le plaques au sol et tu prends les clés à sa ceinture. Tu le traînes dans ta cellule, tu l'enfermes et tu m'ouvres. Là, on lui pique sa bagnole. Oh non, c'est et Max, on se tire il fait tout. Vite fait d'ici. Ouais, mais c'est pas vraiment un plan, pas vrai? C'est juste une autre façon de dire on s'évade avec plus de mots. Non, il s'y attendra pas. Elle fait rien du tout dans le plan. On est dans une routine, on va pouvoir le surprendre. Tu vas le tuer, tu l'assommes, tu lui prends ses clés, tu le traînes jusqu'à dans ta cellule, et après tu l'enfermes, et après tu viens me sauver. Et après on sort. Eh, c'est trop. Oh là, c'est trop. C'est... Je suis éteint. Oh là, c'est trop. Ah, mais il va l'attaquer. Et s'il se transforme, là? C'est baisé, hein. Ah oui, arrive, il va lui faire la griffure. Ah bah si, bah tout est bon. Le script est bon. Le script est bon. Allez. Attaque-le, attaque-le. Attaque-le, attaque-le. Attaque-le, là. Maintenant. Ah, bah oh, doucement. Sérieux? Doucement. Oh, oh, oh. J'arrive. Ah, ah, le vieux plan. Ah, le vieux plan. Petit génie. Le plan, il est trop gaze. Mais j'ai pas pris ma douche. C'est une dinguerie de flop comme ça. Vas-y, c'est trop gaze. Oui. Enlève ces putains de fringues. T'emmerdes. Recule. Max, qu'est-ce qui se passe? Je vous interdis de le toucher. Ah, les tasés, ça marche. Viens là. Me touchez pas. Assieds-toi. Arrête de bouger. Il va se transformer. T'as dit que là, tu voulais être veto? Alors voilà ton stage. Connard! Tu voudras pas le croire si tu le vois pas par toi-même. Ah, je crois que je veux lui montrer la vérité. Ouais, et bah, demandez la prochaine fois, putain. Merde. Approche pas trop. Dis, réponds. Donne ta position. À toi. Merde. Ah, c'est la vie, là. Mmh. Je dois terminer un truc ici. Appelez à l'aide. Non, j'appelle pas. J'arrive pas. Bientôt. J'appelle pas. Terminé. J'appelle pas. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai pas appelé, on sait jamais. Bon. J'ai paniqué, j'ai pas appelé. Entre nous, ça va pas être joli. Mais t'en fais pas, je serai de retour à l'aube. Vous allez vraiment me laisser ici? Ça ira. Mais t'approches pas trop. Ah ouais, Maxi, il s'est pas douché depuis un jour. Il va se transformer en loup-garou. Vous avez vu les frères? Douchez-vous une fois par jour minimum. Voilà. Sinon vous allez vous transformer comme Max. SPR. Restez sobre.
Dis-moi comment tu te sens. Max, dis-moi exactement comment tu te sens. Laura. J'ai envie de toi, Laura. Je me sens pas très bien. Pas bien, comment? Je sais pas, j'ai... mal. Après la fin. Approche, fais-moi voir tes yeux. Non, faudrait mieux que je bouge pas. Max, il faut que je t'ausculte. Non, mais arrête de faire la védo! Arrête de faire la védo! C'est assez près pour toi, là, connasse! Ah ouais, frère. Lui, c'est l'ancêtre de lui. Max. Ah, loup-garou, t'as pas cru, hein? T'as pas cru, loup-garou, odeur de chat mouillé. Explique-moi ce qui se passe. Bah où ils se transforment. Oh son œil. Mais ce serait passé la même chose si j'avais pas fait qu'il s'évade. Merde. Oh là là, oh non, elle a pas mal. Elle était pas attachée. Ouais, c'est ça, hein. Elle était vraiment pas attachée. Ouais, c'est un flashback, mais justement. Ouah, la musique comme si... Wesh. En trois dimensions. Ouais, c'est quelle musique, ça? Ouais, la musique, c'est Jacola. Je crois que c'est Jacola. Je crois que c'est Jacola. Oh non, une musique comme si elle allait faire une action de fou. Elle s'est juste pris un coup de griffe. Oh putain, fils de pute! Wesh! Mon cœur! Wow. Oh non, ça m'a fait peur! Ah, mon cœur! Wesh! Elle est partie faire la Rambo ici. Y a pas une carte là, c'est sûr, y a une carte à prendre. Pitié. Pitié. Bah faut que j'aille où, wesh. Ah ouais, dans ma cellule, Bellec. Ah ok. Tandis que la ville de Norskill s'endort, la folle dans les bois pleure un mort. Le jeu, c'est The Quarry. Lorsque pourrissent les corps, le loup affamé sort et l'implacable shérif rôde encore. Ah ouais. Comme c'est Kerry James, hein. Malgré les insertions, des incarcérations, de la manipulation, des oppressions. Et c'est un fou, frère. Ouais, c'est Kerry James qui l'a écrit, hein, c'est sûr. Allez dormir, continuez à chercher. Continuez à chercher, frère. Ok. En vrai, j'ai tout fouillé, hein. J'ai tout fouillé. Ça veut dire que c'est passé, ça. Merde. Ça veut dire que c'est passé. Attends, pourquoi j'ai pas le tarot? Ah ouais, les tarots. Ouais. Ça veut dire en vrai c'est passé, non? Ah, ça va se passer. Ça va se passer.
Ouais, c'est ça, là, le bandage, là, le bandage. Donc c'est ça, là, le bandage. Donc ça veut dire, c'est là où ça va se passer. Tu vas me dire ce qui s'est passé ? Je peux vous retourner la question. Ok, là j'ai la manette. Pourquoi pas fuir ? Je ne laisserai pas Max. Honnête. Je laisserai pas Max. Honnête, hein, autant je te fais pas confiance pour autant. Je m'en fous. Je veux juste l'aider. Tourne-toi les mains contre le mur. Le policier admire votre dévouement. Sérieusement ? Je suis trop crevé pour me battre. Mais... Moi aussi. Wesh, qu'est-ce qu'il va faire, Rush ? Wesh ! Wesh ! Ah, il la palpe. Non, c'est bon, content. C'est bon. Content ? Elle a rien, elle a rien. Je vais faire du café. Fais rien, fais rien, fais rien. Le suis pas, le suis pas, le suis pas. Voilà. On oublie qu'il a fait semblant de fermer la clé. View, on sort. Direct, cache. Mais comment il se retransforme normal, lui ? C'est quoi ? C'est éducatif. Regarde. Il y a des trucs que je comprends pas trop. Je vous cache pas. Il y a des trucs que je comprends pas trop. Ouais, sa peau elle a pas explosé. C'est ça, je me dis en fait. Tu l'as bien nettoyé. Ton œil, je veux dire. C'est plus dur qu'ils le disent dans les manuels. Surtout quand il y a personne pour nous aider. C'est toi, le docteur. Pour les... Avec son taser. Les animaux, ah ouais. Et non. En fait, je le serais sans doute même jamais. On est coincés là pour toujours. C'est des loups-garous, entre guillemets. Parfois, on pense savoir sans vraiment savoir. Tu me suis ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Non. Je suis pas... Il faut pas se fier aux apparences. Ouais. Il va falloir être un peu plus précis. Max et toi, vous êtes tout autant dans la merde que je suis. Ma famille... On voulait pas faire de mal. On veut survivre comme n'importe qui d'autre, tu comprends ? C'est important, écoutez, écoutez. Pas vraiment. On va y mettre un terme une fois pour toutes. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec votre famille ? Qu'est-ce qui se passe au juste avec votre famille ? Ma famille. C'est au fond d'appui. Le policier commence à se détendre. C'est bien, c'est bien. Quoi ? La famille est la chose la plus importante qui soit. Ah ouais ? Mais si toute ta famille... Enfin, disons... Chaque membre jusqu'au dernier décide de sauter au fond d'appui et que... Tout le monde s'accroche à une corde. Comment une seule personne pourrait tous les remonter ? Ah non ! Okay. Si tu tires sur la corde, tu risques de tomber au fond du puits avec les autres. Toute sa famille, c'est des démons. Dominique Toretto, c'est lui. C'est tout le problème. Alors c'est vous la qui... La famille avant tout. Êtes à l'extérieur du puits avec la corde et... Oui. Ça me semblait évident. Ouais, ok, ouais, j'ai compris. Laisse tomber. Ok, non mais ouais.
pas, c'est devenu des loups, hein, je sais pas. On va voir si t'es vraiment futé. Qu'est-ce que c'est ? Des instructions. Qu'est-ce que ça veut dire ? Lis-le. Quand dans le ciel la lune est pleine, la bête terrée se fait souveraine. Les brebis errantes, elle saignera, mais les points d'eau, elle redoutera. C'est ça. Si ce dame en vous se révèle, à l'argent tué, l'originel. Avec des balles d'argent. Quand le disque brille au firmament, oxyre la source de vos tourments, conjurera votre infortune et le fléau de la pleine lune. C'est quand c'est la pleine lune. Bien. En gros, faut des balles en argent pour les fumer. Continue. Et faut tuer l'originel pour que tout le monde meure, je crois. Prendre l'arme. Non, prends pas. On a vu, faut pas prendre. Et si morsure vous subissez, d'amputer, il faut vous presser. Pour une chance de sauver votre âme avant que ronge le mal infâme. Okay. Tu commences à avoir l'idée. Ok. C'est léger niveau info. Et franchement, c'est nul. Pourquoi ça doit rimer ? Elle fait nous sortir. J'en sais rien. Mais c'est tout ce qu'on a sous la main. On tue le loup-garou qui nous a mordus et on guérit. Il faut de l'argent et une nuit de pleine lune. Oh non, elle est trop bête. Je vois vraiment rien de bien compliqué. Si tu peux tuer la bête, et c'est pas gagné. Je veux juste sauver Max. Ben faut le tuer. C'est plus dur que tu pourrais le croire. Ah, si on tue l'originel, est-ce que se contaminer redeviennent normal ? Pourquoi ne pas l'avoir tué ? Suis-je infecté ? Si vous saviez tout ça, pourquoi vous l'avez pas abattu dans le sous-sol quand vous pouviez le faire ? Enfin, c'était... C'est plus dur ? Ouais, non, c'est pas... Parles. Ils sont pas faciles à tuer, je voulais seulement vous protéger. L'originel, ça peut être qui ? L'originel, ça peut être... C'est pas lui, déjà, c'est un mec de sa famille. Il y avait qui ? Il y avait la dame, là, qui criait « Silas, Silas !» Il y avait lui. Ça peut être un mec de sa famille ou un des mecs de la famille des chasseurs, là. Je ne vous crois pas. Bon, quel est le plan ? Allez, direct. Alors, c'est quoi le plan ? Ben, c'est là que je compte sur toi. Moi ? Ouais. Avec tes études. Études en vétérinaire. Elle soigne des hamsters. Qu'est-ce qu'elle va s'amener un monstre ? Ouais, je pense que la famille des chasseurs, c'est ça. C'était ma meilleure chance. Je chasse... Putain de loup blanc au clair de lune depuis si longtemps que je me demande s'il existe. Mais si ça se trouve, il y a un autre moyen. Quoi que tu en dises, la science doit aider. Et ça, c'est ton rayon. Oh non, je crois que tu es un monstre. Prends le temps de réfléchir à tout ça. Je reviens demain matin. L'original, il est blanc. Ouais, c'est ce qu'il a dit, là. Convaincu. Faut être seul pour regarder la rediff. Non, elle sera sur YouTube. C'est de la D, frère. Là, j'aurais pas cru un mot de ce qu'il a dit si j'avais pas... Si j'avais pas vu ça. Donc c'est Loup Blanc qui est le chef de tous les loups noirs. En gros, je le crois. Résigné, je le crois. Faut le croire, poteau. Moi, je le crois. Tu vas pas me dire que tu lui fais confiance, quand même. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que je le croyais pour... les loups-garous, pas pour la science. Je sais pas ce qu'il espère. C'est un pourri qui enlève des gens, Laura. On devrait se méfier de tout ce que dit ce connard. Il est dubitatif, wesh. Il a kidnappé les deux, il est obligé.
Bon. Qu'il crève. Il a eu sa chance d'arranger ça. On va sortir d'ici et régler ça nous-mêmes. Laura ? Ouais. J'ai vu ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait à ton œil. Bah ouais, c'est ta faute, wesh. Ouais. C'est à cause de toi. Et personne. C'est grave. C'est très grave. Ouais, plutôt grave. Je suis désolé. Empathique, ce n'est pas toi, tu ne contrôlais rien. T'aurais rien pu faire pour l'empêcher, de toute façon. Bah tu ouais. Contrôlais plus rien. C'est pas lui qui se contrôlait. Si ? Ouais. Non ? Tu te contrôlais pas ? Bah, bien c'est sûr meuf, que non, putain. On s'en fout. Laura, t'insinues quoi ? J'essaye seulement de comprendre ce qui se passe. C'est tout, Max. J'insinuais rien du tout. Putain. En fait, la séquence où eux deux sont dans la prison et toi, elle est trop longue, frère, wesh. Foutez-nous avec les autres, là. Je sais qu'ils sont là. Les moniteurs qui sont pas au camp. Ah, il a dit que t'avais trouvé une voiture abandonnée. Il y a un moment, et j'en ai déduit le reste. C'est Monsieur H. Et merde. Pourquoi ? À ton avis, Chris. Mon Dieu, Travis. Ils sont encore là, mais tu débloques. Mais t'en as mordu un, Chris. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse ? C'était quoi ? Oh ! J'avais lâché la manette ! La tête de homme, j'avais lâché la manette. Tu m'as tiré dessus. Maman va te tuer. T'as eu de la chance que ce soit pas de l'argent. J'aurais dû le laisser tomber ? C'est quoi le plan ? Tu peux pas les garder comme ça. Je vais m'en occuper. Si t'avais fait ton boulot, non, ce j'avais serait lâché peut-être la pas manette. Au camp. T'y penses, c'est ça ? Si j'avais fait mon boulot, vous seriez tous en tôle. Tu penses à ça? Ça, c'était Bobby et Caleb, et tu le sais. Cœur d'honneur et cette fouine de journaliste. Mortel, Travis, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Non, je croyais qu'on devait tous se serrer les coudes. Fais chier. Viens dans mon bureau. On sera tranquille. Purée. Max! Hein? Max! Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Travis était dans le couloir à parler, le flic. Et ? Avec Chris Hackett. Il est venu nous faire sortir ? Non. C'est le loup-garou. Max, c'est Chris Hackett qui t'a mordu quand on était dans le sous-sol. Oh purée. Putain de merde, c'est... C'est pas possible. En même temps, quand on y pense, c'est logique. Ah bon, tu trouves ? Bah, tout concorde. La voiture de Chris était au chalet ce soir-là. Ouais. Travis voulait le protéger. Ouais. C'est pour ça qu'il nous a suivis et qu'il a pas tué le loup-garou dans le sous-sol. C'est parce que c'était son frère, putain, mais c'est ça ! C'est Chris qui m'a mordu, alors... Ouais, c'est notre remède. C'est-à-dire, faut tuer Chris ? C'est comme ça qu'on te soigne. Putain, Laura, tu penses à la même chose ? Faut fumer Chris ! Demain, on va sortir de là. Je vais prendre le flingue de Travis et tuer Chris Hackett. Ah, là, ça va être chaud. Hey, parce qu'il y a encore la scène du flingue. À l'aide ! Il y a encore la scène. Laura, sans mal ! Laura ? Ah, purée. Laura, tu vas bien ? Non, de Dieu. Faut que je prenne son pistolet, mais faut pas que je tire alors, à la limite. C'est quoi ce bordel ? Laura ! On va prendre le pistolet, on est obligé. Voilà, prends. Je suis obligé de le prendre, Vas-y, allez hop, tiens, casse-toi. Donnez les clés. C'est pas une bonne idée. Désolé, exigeante la ferme. Je regrette, je n'ai pas le choix.
Exigeant, poteau. La ferme. La ferme. Les clés. Les clés. Give me the key. Non, Max, je vais pas le libérer. Hein. Supplier. Tirer sur Travis. Je le supplie, frère. Je peux pas lui tirer dessus. Allez. Vite. J'ai aucune envie de vous blesser. Ok. D'accord. Jette les clés. Merde. Voilà. Allez. Reste là, je vais t'enfermer là, je vais t'enfermer. Je vais aller voir ton petit frère, on va lui, hein. On va lui montrer de quel bon se chauffe. Non, le libère pas! Non! Je t'en aurais pas cru capable. Bien sûr que si. Viens, allez. Non! Laura, pense à ce que t'es en train de faire. Et Max? On fait moins le fier. Si vous preniez le temps de réfléchir un peu. Ok, on a jusqu'à la nuit. S'excuser. Je m'excuse, hein, désolé. Désolé. Je m'excuse. Parce qu'on est trop gentil en fait. Tellement on lui fait du sale, je suis obligé de m'excuser. Oh non, ma chaise est descendue. Où sont nos affaires? On cherche des balles en argent. Il doit en avoir ici. Tu joues propre, Levin, tu coupes bien. Merci, merci. Là, là, je suis en train de tryhard. J'ai cru entendre quelqu'un. Chris, t'es mort! Oui, si, il y a quelqu'un. Ça vient de derrière la porte. C'est de la D, les frères, c'est de la D, ma gueule. Tout est de l'enfant. Evan, il a pris des bras, merci les frères. C'est la salle qui paye, c'est la salle qui paye. Guettez le brava. Bref, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Ah, Chris, on va le fumer, hein. Chris, on va le fumer, les frères. Je te parle pour SFC3. Ouais, c'est ça, exactement. Y'a personne ici. Ah, Chris, désolé, hein, mais on va te faire du mal. C'est trop chelou. C'est la voix de la voyante. Mais t'as vu un peu, hein, on dirait. Il les fabrique. C'est quoi? Des balles des en argent. Des cartouches. Il les remplit d'argent. C'est méchant. C'est bien ça qu'il faisait. Il chassait. Bon, du coup, j'ai plus besoin de ce truc-là. Voilà, c'est chaud, là. Ah, Chris, hein, Chris, en 9 secondes, là. Je viens de me rendre compte. On est libre. De ouf. Mais Max, doucement, Max. Doucement. Angoissé, on va être angoissé, hein. On va être angoissé, obligé, on peut pas être rassurant. Non, Max. On sera libre quand Chris Hackett sera mort. Ouais. Et je crois qu'il nous reste peu de temps. Je sais, c'est vrai, mais... ça reste une petite victoire, non? On fêtera ça une fois tranquille. Il faut qu'on aille à Hackett Square et régler le problème. Un jeu vidéo ou un court-métrage, ils font que parler. Ah ouais, lui, il a pas compris le jeu. On est les 0 sur 20. C'est ça, s'il la bouffe, j'ai trop la rage. Bah non, il peut pas la bouffer parce que c'est un flashback. Donc dans tous les cas, elle a encore envie. Dans tous les cas, elle a encore envie. Ok, Pitchy, est-ce qu'on peut revenir avec Noah, nos compagnons du début? S'il vous plaît. Et je suis arrivée là. Merci. Au camp. J'ai déposé Max sur l'île. Je me suis dit que c'était plus sûr. Il est que minuit 40. Autour, tout ça. Voilà, c'est toute l'histoire. Surtout, parlez pas tous en même temps.
Attends. L'île, genre notre île, notre île. Il y en a mort, il y en a zéro pour l'instant. Il y en a zéro. Ouais, pourquoi ? Il y en a zéro. Ben, Jacob, il est allé chercher Emma là-bas, mais il n'est pas encore revenu et elle non plus. Oh merde. Il est que 22h14. Honnête, ils ne sont plus là. Rassurante, ils sont encore là, wesh. Bon, du moment qu'ils cherchent pas à fourrer leur nez là où il faut pas, ça devrait aller. Fourrer son nez là où il faut pas, c'est le surnom de Jacob, c'est vraiment la merde. Là, ça va être chaud. Là, on entend. Quand vous m'avez vu à la piscine après que j'ai tué Chris, je suis retournée sur l'île en pensant que Max serait redevenu normal. Mais. Ah ouais. Mais. Oh purée, on est encore dans ce flashback. On va jamais sortir! Le flashback, il est trop long! Et Nick Fury! Ah ouais! Le monstre de l'île, c'est Max. Ouais, mais il y en a encore un. C'est Chris de base. Oh non! Purée! Ça veut dire que c'est pas l'originel. Ouais. Max? Si elle a tué Chris, c'est que Chris, c'est pas l'originel. Mais je crois, j'ai une petite théorie. J'ai l'impression que je crois que c'est Silas. Parce que Silas, on sait pas c'est qui depuis le début. Max? Attention. Max! Je suis là, on sait pas c'est qui poteau depuis le début. Ouais. Ah, c'est Max. 1v1 contre ton homme. Tue-le! Et! Ah, je le tue! Oh purée, je devrais activer des trucs. Allez. Prends la barre. Cavale. Cavale. Meuf, ça devient un monstre et tout. Oh là là. C'est de la dé, frère.